vous l'avez de Tiznit, de vous souhaiter la bienvenue. Monsieur le Président Salah, président du Cercle Eugène de la Croix, et mesdames et messieurs les membres de ce cercle, ainsi que toutes les élus, les chefs d'entreprise qui font partie de la délégation. Bonjour à toutes et à tous, Salah Bourdi, je suis président du Cercle Eugène de la Croix et nous sommes venus aujourd'hui à Tiznit avec notre délégation, plus de 30 personnes, une quinzaine d'élus, une quinzaine de chefs d'entreprise, puisqu'on a voulu mettre la région de Sousse-Massa à l'honneur et le député-maire, M. Abdallah Al-Ghazi, nous a fait l'honneur de nous inviter. On a été reçus par M. le gouverneur, M. Hassan Khalil, et on a passé vraiment des moments d'échange très constructif et qui donne vraiment envie de revenir ici à Tiznit. Ramtchkar c'est Abdallah Ghazi, l'estiqbal de l'Iskra et la délégation française des élus marocains en France. Zirad Nushkad Bacha Dnawi Tjeriban de l'expérience Hamasatine, les échanges, les élus, les Iskar يقدر انسكر يا التوامه ديال المدينه ولا 60 حق الغيل مي هاتي واش كاين عندي كاين بيرسونيلمون باش نقدم البروجي هادي اي سي عبد الغازي نتشكر بزاف في الاستقبال ديال الحسك ديال العامل الاقليمي حتى انت الاستقبال ديال السكرتير تاع استقبال زعما في المستوى. Alors, je suis Habiba Beghdad, je suis trésorière et membre du bureau du Cercle Eugène de la Croix, le Cercle Eugène de la Croix qui est une association d'élus pour la coopération France-Maroc. Et on est vraiment ravis aujourd'hui, la date du 6 novembre, d'être une grande date pour le Maroc, d'être ici présent à Tiznit et d'avoir découvert cette ville. Je ne la connaissais pas aussi grande et aussi riche. On vient de découvrir un tas de choses au niveau culturel, cultuel, qui fait partie du patrimoine de Tiznit, mais je pense de toute la région et de l'arrière-pays. Et vraiment, je suis ravie, en plus en moi, en tant que Tachelhit, de venir de cette région de Sousse, de redécouvrir un peu toute cette tradition berbère, juive, musulmane, qui fait un peu la richesse aussi du Maroc de manière globale. Bonjour, Malika El Bouchtaoui, présidente de l'association El Wassela. On est vraiment très heureux aujourd'hui de faire partie de la délégation Eugène de la Croix, des élus français et franco-marocains. Quand on nous a dit qu'on ne pourrait visiter une autre ville de la région de Sousse-Massa, Tiznit, c'était pratiquement visible. Il n'y a que Tiznit qui peut représenter vraiment la culture amazir, la culture soussi et surtout la prolongation de l'immigré qui est originaire majoritairement de Tiznit. Donc merci pour l'accueil, merci pour tout ce que vous faites.